On est à l'antenne. Oui. Bonsoir les filles. Alors voilà, je vais répondre à vos questions pour vous donner des conseils. Et puis par la même occasion, comme ça vous allez me foutre la paix. Alors on commence par Fatima qui veut un mari. Bon Fatima, moi je peux t'aider. Elle dit un voisin, un de 52 ans, la voiture, le travail, il habite tout seul, il a les papiers. Alors si tu veux un mari, je te présente Jean-Marie. Ensuite, Adma Miriam, je veux fracasser mon mari parce qu'il ferme le débarras à clé. Comment est-ce que je peux faire? Bon, s'il ferme déjà le débarras à clé, s'il n'y a que le cul dedans, il n'y a pas de sucré. Alors moi, je te conseille... Non, je ne vais pas te donner les conseils parce que j'ai peur que tu fais les bêtises. Ensuite, Anna, M. Tayeb Kadol, qui avait 8 rue de la Liberté à Nancy, qui souhaite rester anonyme. Ben, c'est trop tard. Avec un dira bon. Alors, bonjour, je suis Blidard et je veux pas que les gens le savent, comment puis-je faire? Bon, Taïb, il n'y a pas de secret. Déjà, il faut que tu arrêtes de t'habiller avec la chemise, le jogging, les chaussures de ville. Là, mon chéri, ça va pas. Ensuite, quand tu vas dans les mariages, il faut pas que tu commences à danser avec les doigts d'une partie dans la piste comme ça et tu jettes ton pied comme ça. Là, ça, il était très carré, hein? Tu le sais, hein? Alors, ni vu ni inconnu. Tu fais tout ça et puis tu verras. Si tu suis mes conseils, il n'y a pas de problème, tu vas te fondre dans la masse des Français. Bon les filles, voilà, c'est fini les conseils aujourd'hui. Ne posez plus de questions parce que déjà je démarre. Et surtout n'oubliez pas, Khamsa fi aynikom.